voilà le premier poisson. Donc arrivé à peu près vers midi, j'ai posé les cannes donc, en arrivant. Et premier départ, il est 18h30, donc, peu de temps avant la tombée de la nuit, donc ça c'est cool. Pour commencer, c'est déjà pas mal. À l'eau, comme ça elle va pas rester trop longtemps dehors, et puis je vais recaler la canne pour essayer d'en prendre d'autres. S'il y en a une qui a mordu, il y en a sûrement d'autres. Allez. Et dedans. Voilà le deuxième poisson, à peine une heure après la première. Donc c'est cool. Ça fait quoi? Ça fait à peine 6 heures que je pêche. Deuxième poisson. Un petit poisson. Mais une petite commune qui fait bien plaisir quand même. Prise en plein jour, un départ fulgurant. Et un combat bien sympa aussi. Voilà. Une petite torpille. Allez, je vais vite la remettre à l'eau et je vais remettre la canne. Troisième poisson, il est 8h30, donc je suis déjà bien content. Trois poissons depuis midi. Bien content. Une jolie miroir. Poisson qui fait un petit peu plus de 14 kg. Donc c'est bien cool. Allez, Zou, allô. Thank you.
Bon, ben voilà, la nuit s'est plutôt bien passée. Je fais 4 poissons de plus. Donc ça fait pas encore tout à fait 24 heures que ça pêche. J'ai déjà fait 8 départs pour 8 poissons. Donc c'est plutôt pas mal, ça commence à dérouler hier en fin d'après-midi. Bon, par contre, cette nuit, c'est rentré du petit poisson, quoi. De la petite miroir de 5-6 kg, des poissons qui ont été lâchés il y a 2-3 ans. Mais bon, pour une petite nuit vite fait, enfin pour un petit 24 heures, qui n'est pas encore fini, hein, c'est plutôt pas mal, je me plains pas, ça va. Donc, je vais vous parler des bouillettes Ruby Dubby. Donc des bouillettes, comme vous pouvez le voir sur le paquet, des bouillettes à base de poissons et de crevettes. Donc une bouillette très très carnée. Que dire dessus? Bon, moi très honnêtement, c'est la première fois que j'utilise. Je ne les avais pas encore eu dans les mains. Pour un premier essai, j'ai envie de dire, ça va plutôt pas mal. Hein. 8 départs, 8 poissons. Je ne suis pas sur un plan d'eau facile. C'est un petit plan d'eau qui doit faire une quinzaine d'hectares à peu près, mais qui subit une très très forte pression de pêche. C'est un des plans d'eau les plus pêchés de la région, quoi. J'ai un collègue du club qui les a utilisés il y a un an ou deux ans de ça, je crois, qui m'en avait dit que du bien. Mais vraiment, quoi, et c'est pas le charlatan qui va vanter les mérites d'une bouillette parce qu'il a pris deux poissons avec, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui a pêché avec. Et ce qu'il me disait, c'est vraiment... Enfin, il m'en parlait vraiment comme d'une bonne bouillette, quoi. J'ai pas amorcé particulièrement fort. Chaque canne était accompagnée de plus ou moins 2-3 poignées de bouillettes, quoi, donc rien d'excessif. Donc les bouillettes Ruby Dubby, qu'est-ce que c'est? Quand on retourne le paquet, on voit que ce sont des bouillettes, donc, comme je vous disais, carnées. Donc des bouillettes avec des morceaux de poisson et de crevettes pour cet effet crunch. Quand toutes les bouillettes de la gamme radicale, hein, toutes ont des morceaux d'ingrédients à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit qu'il y a du Robin Red. Donc ça, le Robin Red, pas la peine d'inventer les mérites. Donc voilà, donc pour ceux qui voudraient vraiment savoir ce qu'il y a dans les bouillettes, vous avez toute la liste des ingrédients derrière. Voilà pour les bouillettes Ruby Dubby de la gamme radicale. Toujours le packaging, bon bah, il y a juste à regarder le paquet pour savoir ce qu'il y a dedans, tout simplement. C'est une nuit bien comme il faut.